occupe-toi d'elle au lieu de rester plantée là comme un gland qu'aurait oublié de pousser. Tu peux me dire à quoi ça rime toutes ces pleurnicheries? Et qu'est-ce que tu viens foutre chez moi? Dis donc, mon petit Victor, je te signale que cela fait tout de même 6 mois que l'on se rencontre tous les jours au Carrefour des Anges. Et comme ça, depuis 2 jours, monsieur veut poser la pince. Ça va pas, non? Et tu trouves ça bizarre que je vienne prendre de tes nouvelles? Ok, des nouvelles en ce qui te concerne, j'en ai eu des bonnes. Oh. Très bonnes même. Ah bon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais ce que c'est dans le quartier en cause. Oui, et alors, qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, il paraîtrait qu'un certain monsieur Victor aurait gagné au loto. Et que ce certain monsieur Victor, eh bien, ce serait toi. Et que la somme atteindrait des 20 000 €. Alors? Alors quoi? Non, c'est pas moi, non. Eh bien alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ok, moi là. Allez, fais pas ton cachetier. Entre toi et moi. Oui, c'est bon, hein. Et puis de toute façon, ma belle-mère, elle est au courant, alors c'est plus la peine que je le cache.